Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite motivation ménage, notamment dans la salle de bain. Comme vous pouvez le voir, il y en a de nouveau de partout. Comme je vous l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, ma salle de bain, c'est aussi ma buanderie. Donc, il y a énormément de poussière, que ce soit entre les cheveux, entre les poussières de vêtements, les poils, etc. Je trouve que c'est vraiment la pièce la plus sale de l'appartement. J'aurais presque limite envie de la faire vraiment deux fois par semaine. Donc là, vous voyez que j'y expose mon linge et je vais dépendre tout ça et bien sûr le ranger. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des lustres, et oui, vous le voyez bien, ben, c'est le luminaire. Il était mais plein de poussière. Heureusement que le plumeau suifeur, ben, il était tellement plein que j'ai pu le jeter. C'est un nid à poussière, c'est fou comme la poussière s'accroche à ce genre d'endroit. Je m'attaque aussi la tringle de rideau de douche. Oui, c'est une. J'avais un rideau de douche à la base, mais je l'ai enlevé parce que je trouvais que ça coupait la pièce en deux, que ça bouffait de la place. Et c'est vrai que depuis que je n'ai plus ce rideau, la salle de bain paraît beaucoup plus grande. Là, c'est pareil, je fais vraiment toutes les poussières en hauteur. C'était mais plein de chez plein. C'est vrai que c'est la pièce qui a le plus de poussière, je dois dire. En plus, elle n'a pas de fenêtre, donc c'est vrai que je ne peux pas forcément dire j'aère. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un point négatif dans cette salle de bain, c'est le manque de fenêtre. J'avais installé mon coin make-up ici, donc je vais m'organiser une petite coiffeuse de fortune, on va dire. Donc ces deux petits, en fait il y en a trois dans la boîte, ces petits luminaires viennent de chez Lights for Fun et c'est vraiment pas mal. C'est un peu des lumières nomades que vous pouvez installer où vous voulez et je me suis dit que ça pourrait être pas mal dans cet endroit-là. Comme ça je pourrais vraiment avoir un peu plus de lumière. Ça ce serait mon rêve d'avoir vraiment ma pièce avec les vêtements et le dressing, mais bon, on cherche la place où il en faut. Donc là je me suis dit avec le petit plan de travail de la machine à laver, j'ai presque envie de me trouver une housse pour la machine pour un peu la camoufler. J'ai déjà ma petite idée, je sais que j'ai vu 2-3 choses, je vais voir si ça pourrait éventuellement le faire. Comme ça, au lieu que ce soit la machine, on pourrait penser que c'est un meuble en fait. Donc voilà, avec les luminaires, je trouve que ça apporte un peu plus d'éclairage. Et si je me trouve un petit tabouret, je suis à la bonne hauteur pour faire ma mise en beauté le matin, quoi. Et ça serait vraiment pratique. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée. De camoufler la coiffeuse dans cet espace-là.
J'ai donc racheté une solution de rangement de chez Five. J'aime beaucoup, notamment les petits casiers en plexi comme ça. Vraiment, rapport qualité-prix foncé. Ça vaut vraiment le coup. Et je pense que je vais même en racheter une troisième, en fait, pour que ça soit beaucoup plus aéré au niveau du rangement. Mais je trouve que là, ça fait déjà un peu plus pro, un peu plus clean. Et vous pouvez voir que j'ai beaucoup de make-up de chez Charlotte Tilbury. C'est vraiment ma marque préférée de maquillage. J'ai 80% de mon make-up qui vient de là et franchement, j'aime beaucoup. Donc là, je vais m'attaquer au lavabo, je vais enlever tout ce qui traîne, nettoyer. Vous pouvez voir que le calcaire, c'est encore et toujours, malheureusement. Et sur le petit plan de travail, il y avait quelques taches que je ne suis malheureusement pas arrivée à enlever. J'ai l'impression que c'est incrusté, il va falloir que j'essaye autre chose. Ou peut-être avec le temps, c'est comme si c'était teinté dans la masse, mais c'est étonnant parce que c'était quelques taches, un peu de shampoing violet quand je me fais mes cheveux, vous savez. Et j'avais pas fait attention et je pense que, là vous me voyez, j'essaye de frotter, mais ça n'est pas parti. Donc je ne veux pas vraiment abîmer la surface, je vais réessayer peut-être au fur et à mesure. Vu que c'est du produit coiffant, c'est pas une couleur qui devrait tenir normalement. Mais bon, c'est un peu chiant quoi du coup. Et là, je m'attaque au miroir. J'ai pas voulu sortir mes microfibres en bambou. Je me suis dit, je fais ça vraiment rapidement. Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même fait régulièrement. When you're next to me. Donc là, je vais m'attaquer aux toilettes. Donc, je dépoussière, j'enlève tout ce qu'il y a autour. Je vais mettre du produit et ainsi qu'une petite compresse de vinaigre blanc parce que j'ai toujours une calcaire sur le, une coulure de calcaire, pardon, sur le fond des toilettes. Et c'est vrai que, à part ça, ou de la javel, mais bon, comme je ne veux plus utiliser de javel. Il n'y a que ça qui fonctionne le mieux et vous voyez il y a carrément comme des coulures noires et ça je le fais vraiment mais constamment mais ça revient toujours. Et là, comme en habitude, je monte tout pour débarrasser le sol, pour pouvoir le faire vraiment dans les coins. Parce que les poils, les cheveux, ça va partout. Et même en essayant de passer l'aspirateur régulièrement, bah, ça se faufile dans tous les coins. Donc là, on a le même constat, on ne le voit pas à l'écran, mais la douche, enfin la baignoire, pardon, était pleine de poussière. C'était pas très sale, mais c'était très poussiéreux. Donc c'est vrai qu'il y en avait grandement besoin. J'aurais presque envie de dire, je suis limite de la faire tous les jours, mais bon, avec le travail, c'est un peu compliqué. Sure you believe me, but if I mean to show you, I will never let you go. No.
Treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Là, je vous montre mon gel douche actuel de l'été. C'est le Monoï d'Yves Rocher, forcément. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur du Monoï pendant l'été. Et j'ai retrouvé au fin fond d'un tiroir ce coquillage un peu effet nacré. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal à côté du gel douche. Donc, aspirateur oblige. Et la serpillière par la suite. Une fois le sol sec, je remets tout en place. Moi, quand je fais mon ménage, je pense que vous avez peut-être dû déjà le remarquer dans les précédentes vidéos, pour ceux qui me suivent depuis le départ. J'aime bien donner une ambiance un peu hôtel, hein, que ce soit dans la chambre ou bien dans la salle de bain. Donc c'est vrai que ça passe par les pliages de serviettes, notamment le tapis sur le bord de la baignoire. Et je prends vraiment un peu le pliage aussi. Beaucoup de youtubeuses anglaises ou américaines utilisent ce pliage et c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Bye! It's a lie, it's a lie.